Soyez toutes et tous les bienvenus sur la chaîne L'Équipe pour suivre les temps forts de la 36e édition des 24 heures camion. Créée en 1981, cette épreuve mythique célèbre cette année son 40e anniversaire. Un anniversaire célébré avec 8 constructeurs et plus de 40 mastodontes sur la grille de départ. Le spectacle sera au rendez-vous. Le championnat de France célèbre sa grande finale ici même. Accrochez-vous, les camions sont prêts à rugir. Le Mans, un nom prestigieux pour cette belle épreuve que j'ai le plaisir de commenter aux côtés de notre consultant Fabien Calvet, vainqueur des 24 heures camion il y a 25 ans et président de la commission camion à la FFSA. Bonjour Fabien. Bonjour Anthony. Alors on a un petit peu plus d'une heure pour décortiquer cette édition anniversaire des 24 heures camion disputée devant près de 50 000 spectateurs qui mettent comme toujours deux championnats à l'honneur, le championnat d'Europe et le championnat de France camion FFSA dont le promoteur est France Route. Oui, France Route, promoteur et championnat de France, et c'est vrai qu'on a la chance au Mans d'avoir les deux plateaux, donc 8 courses, autant dire que pour le public, 4 courses le samedi, 4 courses le dimanche, il y a du spectacle et puis cette édition était particulièrement relevée. Les constructeurs également sont mis à l'honneur et représentés, l'ambiance familiale dans le village et le paddock, et je crois même savoir que l'on peut repartir à la fin du week-end avec un contrat en poche. Oui, c'est une des particularités du monde du transport et c'est vrai qu'il y a un gros besoin en personnel, alors pas forcément en tant que conducteur routier, il y a aussi la logistique, il y a aussi les mécaniciens poids lourds, c'est en tout cas un secteur qui embauche, le camion est quand même la base de notre économie. Tout fonctionne en camion, donc il y a vraiment du boulot et c'est vrai qu'on le voit en ce moment dans les actualités, mais la France est également touchée par cette pénurie. Et c'est vrai que c'est important de le souligner, on est proche du public en course camion, proche des spectateurs, les activités animations nombreuses et comme depuis plusieurs années, la grille est pleine pour ces 24 heures camion avec 26 pilotes engagés et des équipes fidèles comme TCS, Team 14, VTR, Truck Toulousain, Aravi Racing, Créteil Camion de Course, Lyon Truck, Éclair Vert Toulousain, Team Camion de Course Vauclusien, Robineau Compétition, bref, il y en a de nombreux et il y a aussi la jeunesse au rendez-vous dans ce championnat de France avec une toute nouvelle génération de pilotes mais aussi des mécaniciens issus de certains lycées. Oui, c'est un peu une part de notre réussite de ce championnat de France qui a su se renouveler. Aujourd'hui, on a cette catégorie espoir, la catégorie féminine, on a les lycées, on a beaucoup poussé vers cette jeunesse et ça fonctionne parce qu'en plus, on voit que aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont devant. Lycée Gallieni de Toulouse, lycée Béju de Bron, lycée Camille Dugast à Chalon-sur-Saône, lycée Mézin à Lançon, l'ensemble des acteurs est mis en valeur, pas seulement les pilotes ou les commissaires, mais également les mécaniciens sur l'ensemble des 5 manches du championnat via le Gymkhana et l'épreuve mécanique. Oui, ça fait un peu partie du mythe. Il y a 40 ans, quand les courses de camions ont commencé sur ce circuit au Mans, ça faisait déjà partie de la fête. Et c'est vrai que c'est une communion aussi avec le public. On est proche du public, on voit que les concurrents sont très soutenus, c'est sympa. T'es prêt à faire un petit tour de ce circuit Bugatti? Ah ouais, carrément. Allez, on y va et surtout tu me ménages pas hein. Allez, c'est parti. Attention, 3, 2, 1, go. Et le freinage. 150 mètres. À l'intérieur, on plonge. La trajectoire ici. On relance. Sur la dérive de arrière. La passe la dernière ici. Oh le freinage! Wouhou, en terrible et 6 pneus! Parce qu'il y a 6 pneus évidemment sur un camion. On se relance ici. Oui, avec la petite terrible à la sortie de la chapelle. Ah, c'est un régal. Gros freinage ici. Vous voyez, il y a beaucoup de mouvement. Le musée. Ah, je suis collé à mon siège. Et là, on met les gaz. Le camion s'installe un petit peu plus. Garage vert. Intérieur ici. C'est pas trop pour partir en survirage. Avec l'arrière du camion qui est très très joueur. Hein. Vous pouvez peut-être aller à jouer. La passe de on arrive à 160. La vitesse est limitée. On freinage ici au chemin au bœuf. La trajectoire ici. Gauche droite. Ça passe fort, ça passe fort. Pas compte à la télé, ça passe ultra fort. Oh
là, il y a le drapeau jaune. On est maintenant en séance de drapeau vert. On va accélérer, lâcher les gaz. Et le dernier virage, tout en travers. Super. Wow. J'espère que vous allez vraiment apprécier ce tour. La première course d'une saison 2021 qui a débuté en juin à Charade, en Auvergne, et qui se conclut donc au Mans ce week-end. La lutte pour la couronne bat son plein entre les champions, champions en titre, Anthony Janiak, et son ancien équipier, Théo Calvet. Oui, c'est vrai que ça a été un week-end forte tension, hein, parce qu'ils étaient toute la saison à la lutte. Donc c'est vrai qu'au Mans, on a quand même eu de beaux spectacles. Et on a des équipes historiques, hein, évidemment, du championnat, Bugira Racing, Lyon Truck Racing, Team Robino, Aravi Racing. On va se régaler de départ du tour de formation pour chauffer la mécanique. Janiak en pôle aux côtés de Calvet, deuxième ligne pour Yorick Montagne et Thomas Robino, le local de l'étape. On va rappeler rapidement le principe de ces départs de course camion, Fabien. Départ lancé, hein, c'est-à-dire maximum, vitesse maximum 70 km/h, tout simplement parce qu'un départ arrêté, ça casserait les mécaniques. Hein. Donc on fait un départ lancé. Ils sont maintenus derrière le pace truck. Le pace truck s'efface et quand le feu est vert, ça part. On sent la tension évidemment dans la voie des stands. Et donc ça va être parti. Le feu vert est allumé à droite. Le Man jaune de Janiak. À gauche, le Bugira blanc et bleu de Calvet. Variété importante de constructeurs également sur la grille. Renault, Bugira, Iveco, Volvo, Man, DAF, Scania ou encore Mercedes. Attention au freinage de la première chicane. Un passage toujours difficile, hein, parce que vous voyez, les camions arrivent de front, hein, ils sont plusieurs, donc évidemment il y a parfois des petits morceaux de carrosserie qui volent en même temps. On va y revenir d'ailleurs. Certains coupent un peu le fromage, c'est pas forcément autorisé, mais on va dire qu'on tolère dans ces premiers tours. Si on laisse la place qu'il n'y a pas eu d'avantage, c'est pour éviter un accrochage, c'est toléré. Alors attention, déjà c'est chaud entre Théo Calvet numéro 20 et le camion numéro 1 d'Anthony Janiak, qui va pas se laisser faire évidemment, parce que les deux jouent le titre et chaque point compte. Donc ça va être vraiment costaud. Oh, l'attaque à l'intérieur d'Anthony Janiak qui va trouver l'ouverture. C'est viril, hein, les courses camions. Là, c'est le cas de le dire. Il a trouvé un trou de souris. Il va être à l'extérieur du prochain virage. Ouh, ça écarte un petit peu. Théo Calvet à l'intérieur sur le camion numéro 20. Alors, Anthony Janiak à l'extérieur. Donc forcément, il va être hors trajectoire. Ouh là là, le blocage des roues. Et ça va être, heureusement, une deuxième place qui va être encore dans l'escarcelle d'Anthony Janiak. Mais derrière, on va large également entre Yorick Montagne et Thomas Robino. Mais au deuxième tour, eh bien, bis repetita. On va voir si cette fois-ci, ça va passer pour Janiak. C'est vrai que cette bagarre entre les quatre a été vraiment, cette course numéro 1 est mémorable. Elle est forcément. Allez, au même endroit. Oh là, ça passe encore plus fin. Encore pour Anthony Janiak à l'intérieur. Est-ce qu'il va réussir à écarter Théo Calvet et donc reprendre l'avantage? Pour l'instant, les deux camions sont côte à côte. Ça reste fair play avec les petits coups de roue qui vont bien. Oh, et un élément de carrosserie là qui s'est échappé pour Théo Calvet. Quels sont d'ailleurs ces éléments de carrosserie? En quelle matière sont-ils? Ça, c'est de la fibre. C'est assez léger, c'est juste pour habiller le camion, hein. Ça n'a aucun effet mécanique sur le véhicule. On voit qu'il y a les barres de protection dessous. Ce sont des morceaux de fibre. Bon, normalement ça se détache beaucoup plus vite que ça, mais cette fois-ci il a résisté, la pièce a résisté un petit moment. Ouais, assez accroché, hein. Alors du coup, catastrophe, parce qu'il y a le drapeau noir à rond orange. Ça veut dire que le leader doit s'arrêter au stand pour réparer et donc enlever cet élément s'il n'arrive pas à s'en débarrasser en piste. Bon, il va essayer de l'enlever, hein, évidemment, mais c'est vrai que c'est accroché de manière assez importante, c'est rare pour être souligné. C'est très très, très rare, hein. ça tienne aussi longtemps, c'est exceptionnel même. Je ne l'avais jamais vu, hein. 40 ans de course de camion. L'équipe Bugira qui prépare bien, hein, ces éléments. Et pour l'instant, Théo Calvet toujours en tête, mais derrière, on a l'impression que Janiak ne veut pas aider justement son adversaire à enlever les éléments. Et Yorick Montagne est revenu avec le numéro 24, le Renault Truck numéro 24 de l'équipe Aravi Racing. Ils sont 4 pour la première position. Ça aussi, c'est du rarement vu, hein, Fabien. Oui, c'est vrai qu'il y a eu. Entre les quatre, il y a eu une bagarre extraordinaire. Le public était debout dans la tribune. C'était vraiment génial à voir. Oh là là, Calvet qui tente tout ce qu'il peut pour se défaire de cet élément qui reste accroché. Il va devoir rentrer, mais il ne choisit évidemment de ne pas rentrer, parce que sinon, ça serait évidemment course perdue. Il va tenter le coup. Est-ce que la direction de course va avoir une sanction? C'est pas sûr. Mais là, il est en train d'essayer de faire des coups de volant à gauche, à droite pour s'en débarrasser. Et c'est Yorick Montagne qui en profite. Il est quasiment premier. Eh bien, au freinage du premier virage,
Yorick Montagne à l'intérieur alors qu'on voit quelques gouttes de pluie. Attention au freinage. Oh là là, il s'est raté complètement. Yorick Montagne, il écarte Théo Calvet. Du coup, c'est Anthony Janet qui va passer. Théo Calvet qui coupe un peu. Et il va forcément lâcher pour reperdre des positions. C'est ce qu'il fait. Il laisse passer Anthony Janet. Théo Calvet face à Janet. Eh bien voilà, ça y est, on est revenu dans la position initiale avec Yorick Montagne derrière le numéro 24 et le numéro 2 de Thomas Robineau. Ah ben voilà, ça y est, il s'est aidé des différents marqueurs pour se défaire de cet élément. C'est bon, il est tranquille, Théo Calvet, mais attention, à l'extérieur, pas forcément tranquille pour longtemps, parce que Yorick Montagne, le tout jeune pilote de chez Aravi Racing, va tenter de lui prendre la première place. Et puis, il ne faut pas oublier le numéro 2, qui est derrière en embuscade, qui attend de voir ce qui va se passer. Un vieux renard, Robineau, était là à l'affût. Et franchement, c'est vrai que ça nous a donné de très beaux passages. Ah oui, c'est vraiment serré. Alors, Calvet, Montagne, Janet, Robineau, c'est des noms qu'on connaît bien, et pourtant c'est la deuxième ou troisième génération pour certains. On parlait de Thomas Robineau justement. Oui, tout à fait. Yorick Montagne qui se montre pressant. Attention à l'extérieur ici sur son Renault T. Il n'a jamais remporté de victoire. Il reste sur plusieurs podiums consécutifs cette saison. Yorick Montagne, le fils de Lionel Montagne, et il est pour l'instant deuxième. C'est très très bien. Oh, attention avec le camion de Dimitri Trevet en difficulté. Le DAF numéro 30, que s'est-il passé? Problème de frein, j'ai l'impression. Problème de frein, oui. Il faut savoir que les freins sont arrosés en permanence pendant la course. Et on l'a vu, là, il y avait des flammes qui sortaient des freins, tout simplement parce qu'il a dû avoir un problème d'arrosage. Donc du coup, eh bien, après, ça n'agit plus, les freins n'agissent plus. Et c'est pour ça qu'il a fini au bac. Eh bien, dommage, en tout cas, pour Dimitri Trevet qui fait ses débuts. Et là, c'est la bataille pour la 9e position entre Stéphane Languilla et Aurélien Ergot. Ça passe à l'intérieur pour le 68 sur le 71. C'est vrai qu'on se bat pour la 9e place, mais on rappelle aussi qu'il faut être dans les 8 premiers parce qu'on va établir le classement et la grille de départ de la course 2 avec une grille inversée. Ça aussi, c'est une spécificité, Fabien. Oui, c'est là pour redonner un peu de piquant et du spectacle. Et à chaque fois, on le voit, ça fonctionne. Puisque si tu termines premier, tu repars 8e. Donc, tu n'as qu'une envie, c'est de revenir premier. Donc, évidemment, ça donne du spectacle. Mais on le voit aussi dans ces courses de camions. C'est à tous les niveaux. On voit là, à l'image Christophe Miguel qui nous fait un drift. Comme d'habitude. Lui, il a fait un mélange entre les courses de camions et le drift, il a fait un mix des deux, mais en tout cas ça s'est battu à tous les niveaux de la compétition et c'est ça aussi qui fait le charme des courses de camions. Et oui, on le voit, pour la première place ça continue entre le leader désormais Anthony Janet talonné par Théo Calvet. Thomas Robineau a également pris l'avantage sur Yorick Montagne, et puis les batailles pour la 7e, pour la 8e, pour la 9e position. Vraiment, en 9 tours on s'est régalé à chaque fois, et ce n'est que la première course du week-end. Donc autant dire vraiment qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur la chaîne L'Équipe sur cette édition des 24 heures camion, le 40e anniversaire. Et Aurélien Ergot qui s'empare de la 8e place, j'ai l'impression, face à Lucas Rivals. On en parlait de cette importante 8e place. Eh bien, ça passe pour le DAF. Oui, ça passe, et on voit une fois de plus la jeunesse. On en parlait tout à l'heure. Là, on a de jeunes pilotes qui sont avec la fougue de la jeunesse, mais ça nous donne du spectacle. Et c'est vrai que le public s'est régalé, parce que cette course numéro 1, franchement, dans les 40 ans des courses de camion, on aurait pu la mettre sur le podium tant elle a été intense. Ah, je suis tout à fait d'accord. Et tiens, on parlait des éléments de carrosserie, ça bouge aussi pour Tony Janiec. Avec les éléments de décoration. Partout là-bas au centre. C'est ça, exactement. RAS pourtant, mais là, il y a bien quelque chose à signaler, à souligner. Oh là là, le freinage. Mais oui, on ne se fait pas de cadeau entre anciens équipiers, finalement. Théo Calvet a débuté sa carrière chez le Lyon Truck Racing. Oui, tout à fait. À la cérémonie, d'ailleurs, il a remercié Anthony et le Lyon Truck, parce que c'est là où il a débuté, où il a appris, où il a fait ses armes. Et c'est vrai que ça reste après des pilotes. Quand ils sont en course, c'est que le meilleur gagne, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et il y en a un qui essaie de se montrer, Thomas Robineau, qui se fait un peu écarter, il doit freiner, sinon il sera hors trajectoire. Calvet, Janiec, ça continue, on se sera régalé durant 9 tours. Théo Calvet qui va essayer de reprendre l'avantage intelligemment. Bim, ça s'appelle un coup de klaxon, non? Oui, ça montre qu'on est là. Voilà, c'est ça, il est bien là. Dernier virage en tout cas, Calvet face à Janiec, le numéro 1 ou le numéro 20, triple champion de France pour Janiec et le leader actuel du championnat. Oh là, Théo Calvet qui va prendre l'intérieur, quelle finale ici donc au Mans pour cette première course du week-end. On se croirait même en NASCAR, un spectacle incroyable. Malheureusement, la direction de course n'a pas forcément apprécié certaines manœuvres et Théo Calvet sera pénalisé de 30 secondes. C'est donc Anthony Janiec qui est déclaré vainqueur devant Robineau et Montagne, et pour la 7e fois sur la 3e marche du podium avec son Renault T de l'équipe Aravi Racing. Alia Kolodge termine 4e devant José Souza, Lionel Montagne et Aurélien Ergot, 8e sur son DAF. Une course comme ça où on a pu se battre les 4 premiers vraiment jusqu'à la fin, et honnêtement on pouvait parier, on savait pas qui c'est qui gagnait, et c'est vraiment une course tout en étant correct. On a pu faire une
un beau spectacle et c'est super. Le spectacle, oui, a été au rendez-vous. Les camions ont d'ailleurs bien encaissé les chocs. Confirmation des résultats en tableau. Janiek, Robino, Montagne sur le podium. Belle perf hein, de José Souza, cinquième derrière la féminine, la plus jeune pilote de ce plateau, Alia Koloch. On s'est vraiment régalé. Donc le podium et la victoire d'Anthony Janiek devant Robino et Montagne. On passe à la première course du championnat d'Europe dans le cadre des 24 heures camions avec le sextuple champion Jochen Hahn qui part en pole position. Vous savez, par le passé, j'ai eu de très bons moments ici au Mans, j'ai obtenu des titres, des victoires et c'est pour ça que j'adore ce circuit. Première ligne composée de deux anciens champions d'Europe d'ailleurs, Fabien. Et derrière eux, on a Lens et Kiss, l'actuel leader de ce championnat en embuscade. On va rappeler quand même rapidement que dans l'ensemble de ce plateau des concurrents en Europe, eh bien on roule avec un carburant assez spécifique. Oui, du HVO ou XTL, hein, code, c'est un biodiesel, un carburant vert hein, issu du retraitement d'huile usagée type allez, McDonald's pour schématiser sans citer de marque, mais c'est de l'huile qui est retraitée, hydrogénée et qui sert de carburant alternatif. Et les courses de camions... c'est le premier championnat FIA à adopter un carburant alternatif non fossile. Et c'est ce qui permet justement d'avoir des images un petit peu plus propres aussi. Le camion se met au vert et la course et la piste est aussi encore une fois précurseur. Oui, tout à fait. Le camion suit la tendance actuelle et c'est vrai dans le camion de transport au quotidien et la course se devait de l'adopter aussi. Oh là, attention, c'est chaud. Tout s'est bien passé au premier virage. Par contre, au deuxième, c'était compliqué entre le 23 d'Albacete et le 30 de Sacha Lenz. Derrière, on a le 41 de Norbert Kiss qui est donc le leader du championnat actuellement, mais ici au Mans on sait que Jochen Hahn qui est donc multiple vainqueur aime beaucoup cette piste hein. Oui, on voit que les anciens sont toujours là hein, parce qu'on parlait d'Albacete le 23, Jochen qui fait quand même figure de grand favori, 6 fois champion d'Europe hein, mais on voit que ça pousse derrière, il y a de la bagarre. Voilà. Ça pousse justement avec Corsini au sens propre et au figuré tout à fait, qui se fait un petit peu écarter par Steffi Halm, tient d'ailleurs une pilote qui est également passée par le championnat de France. On a des femmes donc aussi en compétition camion. Oui, on a aussi des femmes. En France, on avait la chance, tu parlais tout à l'heure d'Alia Koloch, 17 ans. Elle a, en même temps, elle cumule le junior et les féminines. Et Steffi Halm, là, il ne faut pas oublier qu'elle a été championne de France avec le Lyon Truck à l'époque. Et ma foi, on la voit aujourd'hui s'illustrer un championnat d'Europe et elle se débrouille plutôt bien. Ouais, elle se débrouille bien avec son camion numéro 44, si on veut évidemment la suivre. En France, on a aussi Jennifer Janiek, Laurie Norsini. Voilà, on a des femmes qui prennent le volant et ce n'est pas évidemment la première fois de l'histoire parce qu'on a eu aussi Hélène Laure à l'époque en championnat d'Europe. On a eu aussi Nina Coppola. Mais on est content en tout cas d'avoir une variété à la fois de camions mais aussi de pilotes alors qu'on suit la bataille entre Albacete et Norbert Kiss. Alors Albacete, hein, c'est un petit peu comme on veut présenter les choses, mais il est espagnol en tout cas et il est champion. Antonio, il est en deuxième position avec son 23. Norbert Kiss derrière pousse fort. Hein. On sait que c'est un pilote qui est hongrois et qui vient des jeux vidéo en fait. Oui, à la base il jouait dans le monde virtuel et puis un jour il est arrivé dans le monde réel et ça s'est plutôt bien passé parce que lui est également déjà titré en championnat d'Europe. C'est un peu son comeback parce qu'il avait changé de marque, il roulait sur Mercedes, ça s'était pas très d'ailleurs, bien passé pour cette voilà, équipe, pour cette équipe Tankool, et aujourd'hui il a créé sa propre structure et ma foi il est leader du championnat et il a fait un début de saison exceptionnel. Alors là c'est vrai comment on a eu la chance d'avoir un retour d'Albacete, de Jochen Hahn, les gens, enfin, les pilotes d'expérience qui ont pu vraiment venir contrarier l'ordre préétabli cette année, et c'est mieux parce que pour le public et le spectacle c'était quand même quelque chose de très très bien. Mais Norbert Kiss à la fin de la saison, il faudra compter sur lui. Ouais, ça c'est sûr. Et puis peut-être Stéphane Fass aussi avec son Scania numéro 24. C'est un beau projet, un camion qui a été reconstruit complètement. On rappelle qu'il y a quand même de bons dispositifs de sécurité parce qu'en Hongrie il s'est retrouvé dans les rails à une vitesse folle. Oui, les camions sont très sûrs, c'est un sport extrêmement sûr, c'est même sûrement le sport automobile le plus sûr. Il n'y a jamais eu, alors il y a des accidents parfois impressionnants, mais il n'y a jamais de bobos parce que déjà les cages métalliques sont très grosses hein, les structures de protection, les normes sont les mêmes partout, hein, FIA, hein, donc tout ce qui est équipement du pilote. Donc c'est vrai que même si c'est impressionnant, ce sont quand même souvent que des éléments de carrosserie, c'est du maquillage, on va dire. Voilà, du gros maquillage, mais en tout cas ça fonctionne. Et puis les vitesses limitées à 160 km/h, alors que c'est la victoire pour Jochen Hahn au Mans, encore une devant Albacete et Kiss qui n'aura pas trouvé l'ouverture. On ne compte plus les victoires pour Jochen Hahn en tout cas sur cette piste ici au Mans. Il est vraiment très en forme. Alors il revit un
un petit peu ici parce qu'avec son Iveco cette année c'est plus compliqué. Alors c'est pas le Iveco, mais par rapport à Norbert Kiss, par rapport à Sacha Lenz, c'est pas forcément facile. Et il est félicité en tout cas par son équipe, par sa femme Yana. Donc il est encore là, présent avec toutes ses étoiles plein la tête et sur sa casquette. Je crois que Antonio n'a commis qu'une seule erreur dans cette course, nous dit Norbert Kiss, et j'étais pas assez proche de lui parce que un demi-tour avant j'ai aussi fait une erreur, donc l'écart était trop grand, et quand Antonio est parti large, bah, j'étais pas là. La bonne ambiance en tout cas entre Albacete et Kiss qui termine donc 3e devant Lenz. C'est une bonne opération au championnat. Laco termine 5e, Brereton, Anderson et Fass donc 8e et partira en pole position de la course numéro 2. La deuxième course du championnat de France camion, la grille inversée par rapport aux résultats de la première. Aurélien Hergot et Lionel Montagne en première ligne. Théo Calvet part 3e sur son camion numéro 20. À bord de son Volvo de l'équipe TCS, Lionel Montagne fait une saison solide. Et avant le départ de cette course, eh bien on va l'écouter justement. Il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe avec son nouveau camion. Nouveau camion pour lui. J'ai eu des gros soucis de frein première course, ça a été très difficile pour moi. J'avais absolument pas d'eau et ça marchait pas du tout. En étant ancien animal, c'est bon des conditions comme ça, ça te plaît ? Normalement ça me plaît, si c'est la première fois que je vais essayer ce camion là comme ça, donc on va essayer de faire quelque chose. Oui, il avait pas d'eau pour arroser ses freins. Par contre, il y a de l'eau sur la piste, là, Fabien. Alors, on prend pas de risque, on prend un départ sous régime de drapeau jaune, hein, c'est ça? Oui, maintenant, c'est un peu la règle, même en Europe, hein, partout. Quand il pleut un peu trop, on préfère partir sous drapeau jaune parce qu'il n'y a qu'un seul type de pneus. Il n'y a pas des pneus pluie, des pneus secs, pour des raisons d'équité et de coût, etc. Il y a un seul pneumatique. Donc, la sagesse veut qu'on parte sous drapeau jaune. Ça évite, en tout cas, que tous les camions viennent se tasser au premier virage. On est d'accord. Et donc, on part en file indienne par rapport à deux de front et ça facilite un petit peu la vie d'Aurélien Hergot à ce moment-là et de Lionel Montagne qui sont donc toujours pour l'instant premier et deuxième devant Théo Calvet. Derrière, attention, Alia Koloch à l'intérieur sur le camion 22 de José Souza. Ça va être compliqué peut-être au premier freinage. Non, c'est plutôt propre. Alia se débrouille pas mal sous la pluie, hein, notamment on l'a vu en Europe, hein, où il y a eu quelques courses sous la pluie. Et pour une jeune pilote pas très expérimentée, elle se débrouille très bien. On la voit là s'être débarrassée de Souza, maintenant venir à l'attaque sur Yorick, on voit que bon, à 17 ans, elle n'a pas froid aux yeux. Oui, et puis derrière non plus, ils n'ont pas froid aux yeux avec Janiek et Robineau, deux anciens champions qui ont effacé José Souza qui reste quand même en embuscade avec son Renault, le Renault Premium numéro 22, Renault Trucks qui est évidemment très présent, hein, aussi sur ses grilles de départ, mais il n'y a pas que ce constructeur, on a aussi Bugira, on a aussi Volvo, DAF et donc MAN. Ouh, c'est pas bien bon pour Jennifer Janiek là pour l'instant, l'une des deux femmes engagées ce week-end, et c'est pas bon non plus pour Yorick Montagne. Ah, les conditions sont piégeuses. Hein. Ah ben c'est piégeux, et là on l'a vu, ils arrivaient au freinage à 3 de front, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la place pour les 3, et on a vu que bon, là il a été un peu trop optimiste et c'est pas passé. Non, ça ne passe pas toujours en effet. Son papa, en tout cas Lionel, avec le Volvo, est pour l'instant bien placé. Il doit céder quand même face à Théo Calvet qui, sur des conditions humides aussi, il découvre un petit peu, se débrouille bien. Oui, il n'a pas beaucoup d'expérience sous la pluie, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses sous la pluie, non. Ce qui est plutôt une bonne chose pour les spectateurs, et c'est vrai que ces camions à capot ont quand même un petit avantage sous la pluie, la répartition des masses, en tout cas la cabine positionnée derrière l'essieu, ça aide un petit peu dans ces conditions glissantes. On peut donc en profiter un petit peu, ça fait pas non plus toute la différence, mais on le voit à la relance, notamment le camion 20 qui a pris l'avantage sur le DAF numéro 68 qui se fait déborder un peu de toutes parts avec le numéro 4 de Lionel Montagne, ancien double champion de France, et Anthony Janiek, triple champion également, il a encore le numéro 1 sur les portières avec son MAN jaune fluo, et c'est passé d'ailleurs, on a le leader du championnat devant son dauphin. Pour l'instant, c'est plutôt bien rangé ces courses camions. Oui, on voit qu'un garçon comme Aurélien Hergot, qui n'est pas dans les top teams parce qu'il manque de moyens, bien, il a quand même le coup de volant, il est là, il est présent et il peut se battre avec les meilleurs, et c'est ça aussi la magie des courses de camions. Eh bien, c'est justement ce qu'on aime, et il y a aussi des grilles inversées pour le spectacle, on l'a dit, donc voilà, ça permet de mettre en valeur un petit peu les efforts de tout le peloton. Bam, allez, petit coup avec Théo Calvet. Ça glisse, tout à fait. On voit que ça glisse même à la reprise tout seul, on voit que les camions, c'est très délicat sur l'eau, vous avez quand même 5 tonnes 4. Voilà, vous avez 5 tonnes 4 et c'est quand même d'une adhérence très précaire, hein. Donc on voit que ça glisse bien et c'est pour tout le monde parce qu'un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, on voit que c'est quand même tout sur le fil du rasoir. Eh bien, c'est exactement ça, c'était
a pas voulu évidemment, ça glisse beaucoup, c'est un gros kart, hein, on a l'habitude de dire, mais c'est quand même assez compliqué évidemment à maîtriser, et certains se débrouillent très bien, Lucas Rivals, Romain Rivals ou Raphaël Souza, voilà, ça c'est la lutte vraiment aux portes du top 8 entre la jeune génération. Oui, c'est la jeune génération, j'en parlais tout à l'heure, les trois cités à l'instant sont des futurs grands, hein. Ils sont en devenir, hein. Et chaque course on voit ils s'améliorent, ils font de moins en moins de fautes, et moi ces garçons-là on devrait les revoir sur les places de tête très 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 bientôt. Et il y en a un qu'on voit depuis longtemps aussi, le camion 31, c'est Patrick Châtelain aux côtés de Florian Orsini. On a un Iveco face à un Mercedes, les anciens font de la résistance. Ah oui Patrick, maintenant qu'il est à la retraite on peut dire qu'il est pilote professionnel à plein temps. En tout cas toujours très sympathique, hein, vraiment d'aller le voir, Patrick Châtelain, un pilote évidemment très très reconnu. Et c'est chaud entre Calvet et Robineau, là non plus on ne se fait pas de cadeau à domicile, Thomas Robineau n'a pas envie de se faire dépasser, mais je crois que tu es au Calvet non plus. les jeunes ont du caractère, ouais. Mais en tout cas c'est sympa parce que à la fin de cette course on a vu les deux vraiment se congratuler, s'embrasser, il n'y a pas d'animosité. Alors, évidemment que ça frotte un peu, les conditions ont quand même accentué ça, mais à la fin vraiment c'était une très très bonne ambiance. Oui, c'est l'important, hein, justement. Et puis ils se sont tout simplement régalés aussi, ils se font plaisir, hein, ces pilotes, avec les Bugira, les Mann ou autres marques évidemment, et devant, mais c'est Anthony Janiek qui dans ces conditions a un petit peu plus d'expérience et a pu montrer le lion de l'équipe Lyon Truck Racing, du regretté Patrick Foléas, l'occasion encore une fois de lui rendre hommage et de rendre hommage à tous ces passionnés qui ont fait des courses camions ce qu'elles sont devenues justement depuis 1981, et donc 40 ans de courses de camions. La victoire de Janiek, deuxième victoire du week-end, qui prend une belle option sur la victoire et le succès dans cette édition des 24 heures camions. Il ne faut pas être prétentieux, on peut toujours faire une erreur, un freinage un peu loupé, surtout quand on est toujours limite, un freinage loupé, un bac devant tout le monde, ça met une certaine pression de savoir que de toute façon dès qu'il pleut vous êtes favori, mais ça va, je sais la gérer la pression maintenant, et voilà, j'ai fait ce que je savais faire de mieux. Eh bien voilà, la victoire pour Anthony Janiek devant Théo Calvet et Thomas Robineau. La deuxième course du championnat d'Europe et le principe de grille inversée voit Stephen Fass et Jamie Anderson sur la première ligne. Adam Latsko, quatrième, pourrait bien être un client sous la pluie. Alors Adam, je vous ai parlé de pluie un petit peu plus tôt, je pensais pas qu'il pourrait pleuvoir aujourd'hui. Comment vous sentez-vous avant cette course? Oui, c'est peut-être vous qui l'avez commandé cette pluie. Maintenant, la piste est humide, mais la pluie ne tombe plus, donc j'espère qu'on va pouvoir prendre un bon départ et qu'on prendra surtout du plaisir au volant. Face en pole devant Anderson, procédure safety car pendant un tour, départ en file indienne pour éviter donc les problèmes, on l'a dit, au premier virage. Adam Latsko, un des pilotes également très très connu de ce championnat d'Europe. Oui, très connu et phénoménal sous la pluie, hein. On parlait tout à l'heure de Janiek qui est très bon sous la pluie, c'est une certitude, mais alors le Latsko c'est pareil, c'est un monsieur sous la pluie et il l'a encore prouvé à chaque fois, et franchement c'est bien de voir ces jeunes face Anderson, c'est vraiment là encore le renouveau des courses de camions avec les plus anciens, parce que Latsko fait partie quand même des piliers, hein. Oui. C'est les piliers de la catégorie et on voit que la bagarre elle existe et c'est pas gagné. Et les Britanniques sont là quand il pleut, hein. On a Anderson deuxième, on a Brereton troisième, Stephen Fass avec un beau projet aussi, ou attention avec Heinrich Clemens Secure qui part un peu large, il m'a fait peur avec le numéro 25. C'est un beau projet aussi d'amener Scania finalement sur les grilles de départ et de le montrer en première position. Ouais, très très beau camion, très bien réalisé. Alors c'est une équipe non officielle, hein. C'est un privé, hein, qui a choisi Scania, donc il ne reçoit pas d'aide de l'usine, mais en tout cas un projet qui tient la route et qui là aussi progresse course après course, donc c'est plutôt une bonne chose. Et attention avec Jamie Anderson qui donne un petit coup, oui, à face. Oui, ça va. On l'a vu là, c'est pas volontaire, c'est vraiment parce que ça glisse, on les voit énormément glisser et c'était pas une action volontaire. Évidemment ça frotte, évidemment ça réjouit le public, mais c'est pas une agression, c'est juste que c'est limite, ça glisse un peu, mais on le voit, il n'y a pas de gros bobos et ça continue. Et du coup qui en profite, le champion 2017 Adam Latsko avec son camion en numéro 55. On est avec Norbert qui sont caméras embarquées, on ne voit pas grand chose. Quand même. Là, on s'aperçoit quand même de la visibilité des pilotes et ô combien c'est tendu. Je peux vous dire que par expérience, sous la pluie, c'est vraiment sur des œufs. Vous êtes comme si le trophée Andros, quoi. Vous êtes sur la glace. C'est vraiment idem. Vous les aimiez ces conditions, Fabien, Moi, j'étais très bon. Ouais, sous la pluie, j'adorais, ouais, okay. J'adorais la pluie. J'ai gagné beaucoup de courses, notamment en 98 où il y avait un championnat où il avait presque plu sur tous les meetings et ça avait plutôt bien marché. Bon, heureusement, on n'a pas de remorque, hein, quand même dans les courses.
camion. Pas encore. Oh, il y a eu des idées hein, quand même dans les années 80 quand on se lançait. Allez, Latsko en tout cas en tête devant Lens, Anderson, Kiss et Fass. Eh bien, ils sont justement côte à côte. Norbert Kiss qui était dans cette équipe, on l'a dit, mais avec un autre camion. C'était un camion Mercedes. Il a essayé de faire gagner la marque à l'étoile. Ça n'a pas forcément fonctionné. Et là, il est revenu à une marque qu'il apprécie, Norbert Kiss. Ça marche bien avec son équipe un peu plus à taille humaine, on va dire. Oui, et puis il avait déjà été titré à Weyman. C'est un camion qu'il connaît bien. Honnêtement, cette saison, c'est le moteur numéro un. Hein. Je veux dire, un championnat d'Europe, un championnat de France, c'est le meilleur moteur. Hein. Le moteur Man, il est fiable, il est puissant, il est coupleux. Et on le voit, et dans des conditions comme ça un peu délicates, Kiss a quand même la finesse de pilotage. Et on voit, c'est du grand art. Hein. Il passe tout en finesse. Il vient se mettre à côté, il freine au bon endroit, il fait aucune faute. Honnêtement, c'est copie d'école, quoi, hein. Rien à dire. Et puis là, on suit sa remontée. Haute tension avec Sacha Lenz. Ah, il klaxonne. On a le droit de klaxonner dans les compétitions. Il n'y a rien qui l'interdit. C'est juste pour dire, c'est pour, juste avant le coup de pare-choc. Premier, c'est le klaxon. Et un deuxième, c'est un petit coup de pare-choc. C'est un peu comme les appels de phare en 24 heures du Mans. C'est comme ils ne sont pas très puissants, les phares. Le klaxon, des fois, c'est plus utile. En tout cas, il ressort bien au garage vert et à l'extérieur. Superbe. Et oui, dans ces conditions, quand on est finalement hors trajectoire classique, ça va mieux. Oui, oui. Et puis là, c'est vrai que dès qu'on se décale, on a un peu plus de visibilité. Mais par contre, on prend un peu plus d'eau sur les roues, et c'est toujours délicat. Hein. Il faut vraiment doser entre les deux conditions. Avec Adam Latsko, le camion numéro 55 face à Norbert Kiss, on est à 2,5 tours de l'arrivée. Il est en train de résister, Latsko, sur son Bugera Freightliner. Mais enfin, ça remonte vite hein, quand même pour Norbert Kiss. On a vraiment l'impression qu'il a un très bon rythme. Et notamment dans ce dernier tour, il va essayer de part et d'autre de prendre l'avantage. Il est sur l'extérieur, comme on le disait, et il va essayer de recroiser. Mais on voit là, on a bien vu à l'image la différence de la chaussée hein, où la ligne de course est quand même un poil plus sèche à chaque côté. Donc dès qu'on vient se décaler, ben, c'est plus dur et il faut être encore plus fin, et c'est vrai que Kiss tente ben, tout ce qu'il peut hein, pour arriver à dépasser Latsko, et s'il arrive à passer évidemment et se mettre à côté, eh bien quand le virage d'ensuite, ben, tu es à l'intérieur, tu as un avantage, et c'est ce qui se passe là. Eh bien exactement, c'est ce qu'a fait Anthony Janiek tout à l'heure. On a l'impression de revoir les mêmes images. Théo Calvet tout à l'heure dans le rôle de Adam Latsko et Anthony Janiek dans le rôle de Norbert Kiss, et eh bien cette fois-ci ça passe pour Norbert Kiss avec le man numéro 41. Et dans le tout dernier tour, il aura fallu être vraiment très très fin jusqu'au bout. Oui, mais on a bien vu là une fois de plus la chaussée. Il était sur la ligne sèche et ben, Latsko n'a rien pu faire. Latsko qui termine deuxième. C'est une bonne opération au championnat aussi. Il faut l'avoir en tête hein, pour Norbert Kiss qui se bat face à Latsko et face à Lenz justement. Et ben, il va reprendre des points au championnat. 10 points pour le vainqueur de la course 2. 9, 8, 7, 6, ainsi de suite. Donc c'est un point de repris sur Adam Latsko pour Norbert Kiss. 7e victoire de la saison quand même. Il est vraiment en train de nous faire un festival. Hein, Norbert Kiss avec son man numéro 41. Il est heureux. Évidemment, et on va l'écouter après cette course. C'est toujours difficile de dépasser sous la pluie, et surtout quelqu'un comme Adam qui est très bon dans ces conditions. Il défendait très très bien, mais dans le dernier tour, j'ai vu une opportunité. Et cette opportunité, ben, je l'ai saisie parce que à l'extérieur, quand il pleut, ça peut fonctionner. J'étais à l'extérieur du virage du musée, j'ai pris une bonne sortie et j'ai pu le dépasser. Eh bien, la victoire pour Norbert Kiss pour moins d'une seconde devant Adam Latsko. Sacha Lenz, 3e devant Jørgen Hahn. Jamie Anderson, 5e face Brereton et Albacete sur la 8e place. L'hymne hongrois qui va retentir en l'honneur de son vainqueur. 7e victoire de la saison face à Latsko et Lenz. C'est évidemment encore une fois une très très belle opération pour le pilote du MAN numéro 41. Déjà double champion d'Europe, peut-être 3 fois cette année. Mais les 24 heures camion, ce n'est pas seulement de la compétition, c'est la grande fête du camion avec des animations dans le village pour toute la famille, des possibilités de trouver un emploi, le show mécanique ou encore le défilé de camions décorés. Regardez plutôt. On le disait, hein, Fabien, ambiance festive et familiale. C'est aussi la clé hein, de nos courses de camions. C'est plus qu'une course, c'est un événement. On crée un événement très familial. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants. Il faut savoir que les chauffeurs routiers sont quand même seuls la plupart du temps. Hein. Donc c'est vrai que se retrouver le week-end en famille dans le monde qu'ils aiment, eh bien, c'est quand même le petit bonus. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et on voit que ça s'ouvre de plus en plus, même aux non-initiés aux courses de camions. On séduit de plus en plus de monde justement par cette ouverture. Oui, cette ouverture, elle est importante. Et puis...
les camions décorés qui sont mis en valeur. 236 avaient fait le déplacement des œuvres d'art sur la route et ça régale le public évidemment qui était là en nombre. Et puis il faut savoir qu'on en refuse, on a beaucoup beaucoup de demandes, on ne peut pas prendre tout le monde, il faudrait pousser les murs, agrandir le circuit, mais ça c'est pas encore possible. Non, on va essayer d'y travailler en tout cas avec France Route et les équipes de l'ACO pour nous offrir encore plus de places. Je suis pas sûr que ça soit si facile que ça. En tout cas, on se délecte du spectacle. Eh ben voilà, Yorick Montaigne. J'ai commencé vraiment ma carrière compétition en 2018 à Manicourt, hein, et par le camion. Eh ben Lionel Montaigne, je viens du rallye. Après avoir fait ma carrière automobile, je suis passé au camion en 2011. Il est là. C'est gentil. J'arrognotis en tout cas dans le monde du rallye, ouais. Après il y a eu Sébastien Loeb, bien sûr, mais pour moi, Jean représentait un mec sympa, convivial et qui allait très très vite. Le côté bagarre évidemment que je ne connaissais pas en rallye où là ben, je partirais pas avec tout le monde en vacances, hein, c'est clair. Mais en attendant, ça reste assez respectueux quand même si c'est assez viril. Dans le camion, je ne connaissais pas du tout. Et puis finalement, on découvre un milieu qui est différent, qui est très familial. Voilà, c'est vraiment sympa. J'ai longtemps essayé sur la console d'être devant. J'y suis arrivé une fois et il en a entendu parler. Je pense qu'il est très rapide et il va pas tarder à être largement devant. Il y a une ambiance particulière, il y a beaucoup de public, il y a toujours des belles bagarres, c'est très sympa. Ouais. Quand on passe le soir au milieu des tribunes, voilà, rempli de spectateurs, voilà, ouais, ça fait un petit quelque chose. Alors, on reste adversaire sur la piste, hein. Je pense que voilà, il y aura encore une fois en restant propre, mais il n'y aura pas forcément de cadeau. S'il est plus vite, c'est à lui à passer devant, je ne le laisserai pas passer naturellement, je dirais. Et puis dans le sens inverse, c'est pareil. Après, en ce qui concerne autre chose, ça ne nous empêchera pas de partir en vacances avec et de faire des réunions de famille. Très sympa cette rencontre père-fils entre Yorick et Lionel Montaigne avant cette troisième course du week-end. Nous sommes toujours sur la chaîne L'Équipe pour vivre le résumé des 24 heures camion, le 40e anniversaire de cette épreuve qui a vu le jour en 1981. Et en parlant d'anniversaire et de famille, Fabien Calvet qui est à mes côtés pour commenter ce programme est devenu champion de France en 2001. Son fils Théo peut faire la même chose 20 ans après. Ce serait évidemment une belle performance. Eh bien on va l'écouter, Théo Calvet, avant cette course. Théo, ça peut être un jour historique évidemment, pole position dans cette troisième course, le titre peut-être au bout du chemin. Ouais, c'est clair, peut-être un titre de champion de France à la clé de cette course. Honnêtement, on va pas tenter le diable, hein. On a une grosse marge de manœuvre, donc si jamais je dois finir second, troisième, quatrième, c'est pas très grave. Le titre sera là, il faut surtout finir la course, c'est le plus important. Donc on va essayer de faire une course intelligente et on verra ce qui va se passer. 20 ans seulement à bord de son camion numéro 20, déjà en passe de décrocher le titre. Fabien Calvet, quelle est la sensation qu'on peut ressentir en tant que pilote avant de glaner son premier titre? En tant que pilote, on a une pression. Hein. Moi, j'avais même course, même emplacement, à peu près le même scénario, 20 ans avant. Camion, man numéro 9. Mais la même pression sûrement. Mais en tant que papa, je crois que ça a été un des plus beaux jours de ma vie, celle-là, là, ce jour-là, quand mon fils est devenu mieux que quand c'était moi. Je pense qu'on a encore plus de bonheur. Le 20, ça veut dire génération 2.0. Donc c'est pas pour rien et le papa ne peut être que fier du résultat. Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette troisième course. Est-ce qu'il va pouvoir prendre l'avantage justement au championnat? Il a déjà cet avantage depuis le début d'année parce qu'il a gagné beaucoup de courses, Théo Calvet, cette saison. Et c'est Janiek pour l'instant qui prend la première position devant donc Théo Calvet et Thomas Robineau. Derrière, on va s'intéresser aussi à la bataille pour la quatrième place entre Yorick Montaigne et Alia Koloch, parce qu'il y a un enjeu, c'est la quatrième place du championnat aussi entre ces deux camions, le 20.
29 et le 24. Oui, ça se bagarre beaucoup et ce sont deux jeunes, hein, même si Alia est très jeune, mais en tout cas ils sont nouveaux entre guillemets dans le course de camion, hein. Yorick l'a dit, ça fait pas si longtemps qu'il est là, et donc c'est vrai qu'ils se sont bien battus et on suit avec beaucoup d'intérêt puisqu'évidemment le classement général est à la clé. Eh oui, donc pour l'instant avantage à Alia Koloc avec le numéro 29 devant le Renault T numéro 24, et on aura peut-être même deux l'année prochaine pour l'équipe Aravi Racing parce que Lionel devrait revenir dans l'équipe. Et derrière, eh bien, on a aussi des Renault qui sont là avec le 71, le 15, le numéro 14 également. Bref, il y a beaucoup de batailles partout sur ces courses camions, même si pour l'instant Tony Janiek prend un peu l'avantage. Théo Calvet assure, il n'a pas besoin d'aller chercher la première place. Ouais, c'était la stratégie, hein. Il a fait la pole position histoire de dire voilà, je suis rapide, je peux. Après, ben voilà, il faut savoir aussi rouler avec sa tête, jouer le général, c'est le classement qui est important. Et là, il a su le faire avec beaucoup de sang-froid, surtout que la veille, après la pénalité, évidemment, ça l'avait un peu refroidi. Oui, j'imagine, en effet. Alors, on a vu la bataille entre le numéro 21 de Raphaël Souza et le numéro 15 de Lucas Rivals. Pour l'instant, il serait en première ligne de la quatrième course, mais on se bagarre également pour la neuvième place entre Martial Defaille, camion numéro 12, et Aurélien Ergot, camion numéro 68. On a vraiment du spectacle partout, hein. Oui, ça se bagarre à tous les niveaux. Et c'est ça aussi la clé, le secret de ces courses de camions. C'est que vous ne regardez pas le premier, le deuxième, le troisième. Vous regardez la file entière parce que ça se bagarre à tous les niveaux. Et ça, c'est bien. Alors, on a vu aussi les commissaires. Un rôle important, évidemment. Sans eux, il n'y a pas de course. Essentiel, hein, le commissaire, l'encadrement, la direction de course, le collège, tout ce qu'on ne voit pas, hein, sont quand même la clé de la course automobile en général. Et évidemment, un camion, ben, ça ne change pas. C'est exactement la même procédure. Et c'est vrai que les commissaires en course de camion ont d'autant plus de boulot parce qu'on voit qu'ils vont remettre ces petits cônes, hein, ces marqueurs de pénalité, parce qu'à chaque fois, bien, les pilotes qui touchent prennent un avertissement. Voilà, et donc, bon, en tout cas, ça fait du boulot pour les commissaires. On est d'accord. Du boulot également pour Lionel Montagne pour essayer de dépasser José Souza avec son camion numéro 4. Il a découvert, hein, cette année, ce Volvo de l'équipe TCS, habituellement piloté par Franck Conti, et il en fait bon usage. Oui, c'est un très bon pilote, hein, Lionel. Ça fait partie quand même des gens qui ont de la bouteille. Alors, même s'il a, comme il a souligné tout à l'heure, il n'a pas fait sa carrière dans le camion, ça fait maintenant quelques années qu'il est dans le camion. Il est quand même double champion de France, ouais. Et double deux titres à son actif, hein, donc c'est quand même pas un perdreau de l'année. Il a de l'expérience. Alors c'est vrai que la course en paquet, c'est un peu nouveau pour lui, mais il se débrouille très bien, et en tout cas cette année il a fait une très belle saison dans le team de Franck Conti aux couleurs Palfinger. Ouais, avec un moteur qui n'est peut-être pas idéal, un châssis aussi qu'il faut peut-être essayer de régler un petit peu plus à sa main. Pour l'instant, en tout cas face au Renault numéro 22, il tente tout ce qu'il peut, mais derrière, attention à Romain Rivals, hein, qui est en embuscade, et puis Florian Orsini aussi d'ailleurs avec le Mercedes. Faut pas se rater là. Orsini qui a fait de belles courses, hein, cette année, hein. Il a quand même, on n'a pas trop vu sa sœur malheureusement, elle n'était pas là au Mans, mais en tout cas la famille Orsini aussi des véritables piliers des courses de camions, et Florian honnêtement qui fait un super boulot, qui a un très bon coup de volant. Alors c'est vrai que le camion est peut-être pas de toute dernière génération, mais en tout cas il est là, et quand il est là, il essaye de faire le mieux que possible. Eh bien, il y en a un qui a fait le mieux possible aussi, Anthony Janiek, qui s'impose une nouvelle fois, mais dans quelques petites secondes, c'est bien Théo Calvet qui va décrocher 20 ans après son papa, qui est à mes côtés, le titre de champion de France. Il est champion de France 2021. C'est la joie, évidemment, dans le clan Bugira. Et c'est évidemment l'émotion qui est présente, parce que c'est toujours un événement. Et puis, événement aussi avec l'Iveco numéro 32 du lycée Gallieni de Toulouse, qui s'impose au Challenge Lycée face à Pierre Parsus du lycée Béjuy dans cette troisième course. Et Théo, qui était élève du lycée Gallieni, qui a passé ses permis là-bas. Comme quoi, tu vois, le monde est petit. Pas mal, pas mal du tout. Avec les pilotes qui rentrent dans le parc fermé, le vainqueur camion numéro 1, Thomas Robineau également sur le podium, et puis Théo Calvet donc champion après une saison marquée de plusieurs victoires. Il aura su gérer cette pression, gérer cette première position, et on va l'écouter après cette victoire. Ça y est, c'est fait, je suis super heureux. Évidemment, on bosse depuis que j'ai commencé, en fait. C'est l'objectif de gravir les échelons. Champion de France 2021, 20 ans après mon père, c'est quand même quelque chose dans l'histoire. Je suis super content. J'ai gardé ma position et voilà, course parfaite, très intelligente. Et maintenant, on va faire du spectacle pour la dernière course. Mais c'est ce qu'on va voir. En tout cas, troisième victoire en trois courses pour Anthony Janiek. Le Lion rugit encore. Il fait un carton plein pour l'instant. Théo Calvet, Thomas Robineau sur le podium. Yorick Montagne devant Alia Koloc. Et puis Stéphane Languilla, très très bon sixième. La première ligne de la grille de la prochaine course, ça sera Raphaël Souza aux côtés de Lucas Rivals. Et le podium donc avec les trois derniers champions, on peut le dire, de l'histoire de ce championnat de France. Ouais, là, je pense qu'on aura une belle...
la troisième course du championnat d'Europe camion ici au Mans. Et comme pour les pilotes du championnat de France, les concurrents vont devoir affronter une piste un peu humide. Norbert Kiss part en pole position et vise une huitième victoire cette année. En milieu de peloton, Stéphie Halm va elle essayer de conserver au moins sa huitième place, synonyme de pole position pour la dernière course du week-end. How do you feel non, mais comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous êtes en pole, ça devrait être facile. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, pas du tout. Ce n'est jamais facile, surtout dans ces conditions. Vous pouvez vous faire surprendre à chaque virage. Les erreurs sont faciles à faire, surtout quand vous êtes premier à affronter les conditions, car vous devez décider quoi faire. Mais avec la procédure de départ sous drapeau jaune, ça devrait rendre les choses plus sûres, et nous verrons bien. Hier, la pluie nous a souri, j'espère qu'aujourd'hui, ça sera la même chose. Bien sûr, nous allons essayer de gagner des positions s'il y a des opportunités de dépassement et que nous sommes suffisamment rapides, alors je le ferai. Mais le plus important pour moi, c'est de marquer des points et d'être dans le top 8 en vue de la prochaine course à grille inversée. L'objectif est de trouver la bonne position dans ces conditions et j'espère me battre contre les autres pilotes devant moi. Merci et bonne course. Voilà, le tour de formation sous drapeau jaune en raison de la piste humide, toujours très sympa, hein, que ce soit Norbert Kiss ou Stéphie Halm. On a vraiment des pilotes du championnat d'Europe qui sont ouverts et très accessibles. Oui, c'est dans l'ADN des camions de course, hein, l'ouverture proche du public, proche des gens, simple, quoi, sans prise de tête. Oui, c'est ça, très rapide mais sans prise de tête, c'est bien résumé. Après un tour en tout cas sous drapeau jaune, le drapeau vert est agité, signe que la course est donc lancée. Pilote en file indienne et pour la sixième position, eh bien, on va avoir une bataille certainement entre Latsko, j'ai l'impression, et Coursim qui est un pilote allemand qui a fait ses débuts il y a quelques années dans la fameuse équipe Tankpool 24. Et bien voilà, on les retrouve, les deux pilotes, et qui prend de plus en plus d'expérience. Oui, on l'a vu hein, encore sur les courses européennes, être sur le podium, voire gagner des courses, surtout en grille inversée. Il est là, il est présent, ça fait partie aussi de cette nouvelle génération et ils sont assez incisifs, les jeunes. Hein, donc on a parfois du spectacle et Latsko a eu du mal à le dépasser, il y est arrivé, mais il a quand même eu un peu de mal à doubler, il résiste l'Allemand. Oui, c'est vrai, avec le camion numéro 11 c'est donc Coursim, et puis le 55 c'est Latsko qui revient sur un autre Allemand, décidément ils sont nombreux, René Reinert avec le numéro 77, c'est un pilote également que l'on connaît bien dans le monde du transport hein, là aussi en Allemagne. Oui, René a une grosse flotte de transport, plus de 3000 camions hein, je crois, qui roulent, des camions bleus, hein, à ses couleurs, gros transporteur allemand. Alors c'est vrai qu'il roule surtout côté allemand et pays de l'Est, on les voit pas trop en France, mais en tout cas une grosse flotte de camions et le week-end, bien, c'est un peu là où il vient se défouler. Hein. il sort des camions de route où il a sûrement beaucoup de soucis et de tracas et il se vide la tête le week-end dans les camions de course et ça marche pas plutôt bien pour lui. Ah, c'est clair, il résiste. Alors il s'est fait doubler par Latsko et par Coursim, mais il va essayer de résister. Alors c'est son ancienne équipière ou c'est encore son équipière? En tout cas, ils sont sur Iveco, Reinert et Stéphie Halm. Ancienne, elle a eu roulé chez Reinert, elle a fait une saison chez Reinert et là elle est dans le team officiel Iveco allemand, puisqu'il y a Iveco, c'est italien, mais il y a une usine à Ulm et le team Schwaben est basé dans l'usine de Ulm. Voilà, donc c'est presque un team officiel. Ouais, anciennement avec Gerd Korber, un pilote évidemment de renom dans les courses camions qui a eu du mal à s'arrêter d'ailleurs. Ouais, des fois il vient faire une petite pige parce qu'on n'est jamais vraiment à la retraite en camion, mais en tout cas Gerd qui a envoyé, bah, par exemple lorsque Théo a été champion, il lui a envoyé un petit message. C'est quand même très sympa, ces anciens qui sont toujours là pour soutenir les nouveaux, ça fait aussi plaisir à voir. Oui, c'est vraiment la transmission. En tout cas, là, il ne fait pas de cadeau à Stéphie Halm, hein, René Reinert, et ça devrait peut-être aussi profiter au camion violet de Brereton. Bon, il défend comme il peut, René Reinert, attention au sous-virage, et oui, bah, forcément, il a du mal à tourner, et c'est Stéphie Halm qui doit ouvrir un petit peu la trajectoire. Là, on se bat pour la 8e place, qui est donc synonyme de pole position. Hein. Elle est très importante, cette 8e place, parce que c'est là où tu repars 9e, et puis bon, bah, tu regardes les autres, ou si tu es 8e, et bah, tu repars premier. Donc, c'est pas du tout pareil au final et tout le monde la veut, cette 8e place. Et ben, c'est Stéphie Halm justement qui a décidé d'attaquer parce qu'elle sentait bien que derrière Brereton était assez rapide, donc elle s'est emparée de la 7e position avec le 44 devant le 77 et le 17. Elle s'est défaite de ses petites... Oui, ben, elle n'a pas trop eu le choix là, oui. Soit dit en passant, la pauvre, là où elle était, elle a amené les trois, hein. C'est bien, elle a fait le strike. Et c'est ce que j'allais dire, en bowling c'était parfait. C'était parfait, mais là on lui a pas trop laissé le choix non plus, la pauvre. En tout cas, ça
ça se bagarre fort entre René Reinhardt et Shane Brereton, qui fait en plus partie d'un championnat, enfin d'une sous-catégorie finalement pour les pilotes qui ont un petit peu moins d'expérience, c'est la Goodyear Cup. Oui, c'est les pilotes chrome, un peu comme à l'image du GT, on a les gold, les silver, etc. Ben ici, on a les chrome et les titans. Et il y a un challenge pour les chrome, c'est la Goodyear Cup. Et c'est très important parce que ça se bagarre énormément. Et d'ailleurs, Sean a repris beaucoup de points sur Théo parce que Théo ne pouvait pas rouler en Europe le week-end du Mans, puisqu'on ne peut pas cumuler les deux. Il avait fait le choix du championnat de France. Et du coup, eh bien, ça a donné un sérieux avantage à Brereton au classement général de la Goodyear Cup Europe. Oui, d'ailleurs, on retrouve les meilleurs moments du championnat d'Europe sur la chaîne L'Équipe. L'occasion de souligner la nouvelle victoire de Norbert Kiss, sa troisième victoire, donc sa deuxième du week-end, et c'est sa huitième en tout cette saison. Il est au sommet de son art, deuxième place pour Lenz et troisième position pour Jørgen Hahn. Kiss est évidemment heureux, mais il n'est pas le seul. Shane Brereton, huitième de cette course, et donc Paul Mann de la prochaine. On va écouter le pilote britannique au volant de son Mann numéro 17. Enfin, j'ai vraiment eu une bonne course avec Steffi et René. Je crois que j'aurais pu dépasser les deux, mais je voulais pas prendre trop de risques avec un freinage trop tardif. René a été très fair play avec moi, on s'est un petit peu touché, mais rien de bien méchant. C'était vraiment une très bonne course et en plus je gagne la Goodyear Cup. Confirmation de la victoire de Norbert Kiss devant Lenz et Hahn. Brereton est 8e et il partira donc, on l'a dit, en pole position de la course numéro 4. C'est important pour montrer les couleurs et puis pour avoir une chance de monter sur le podium, parce que évidemment Norbert Kiss partant 8e, il va avoir un petit peu plus de mal à pouvoir se défaire de ses adversaires. Il est sur la plus haute marche du podium, le Hongrois. Il reste deux courses à suivre. On commence par la quatrième et dernière confrontation pour les pilotes du championnat d'Europe avant de s'intéresser à la finale du championnat de France. Derrière, petite vérification sur la grille de départ. Brereton et Alm sont sur la première ligne de la grille. André Corsim avec son camion numéro 11 par troisième. Nous sommes sur la deuxième ligne de la grille. J'espère que nous pourrons monter sur le podium. C'est toujours un endroit très spécial pour nous et à chaque fois une sensation unique de monter sur le podium ici au Mans. Une victoire chaque année pour Corsim au Mans depuis 2018. Il a commencé la compétition il y a déjà quelques saisons avec l'équipe Mercedes Tankpool 24. On fait ses débuts, puis ensuite on peut évoluer. C'est aussi ça les courses camions. Oui, c'est aussi ça. On le voit aussi bien en Europe qu'en France. On le disait tout à l'heure. Steffi Alm a commencé chez le Lyon Truck. Elle est maintenant en Europe. Ça gravit les échelons au fur et à mesure, comme toutes les autres formules automobiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pilotes au top qui ont commencé dans des formules nationales. Alors, on va avoir le départ, cette fois-ci sur piste sèche, donc départ normal. On a quand même les pilotes qui sont avertis par radio au moment du feu vert, c'est bien ça l'importance? C'est essentiel parce que bon, par rapport à une monoplace ou une voiture où on est très bas, on peut voir le feu. Souvent dans le camion, quand on est derrière le camion, on ne voit pas le feu. Donc c'est vraiment votre manager qui vous donne le go. À partir de la deuxième ligne, vous faites à la radio, vous ne faites plus au visuel. Il faut quand même respecter le 70 km/h, mais ensuite on met gaz. Voilà, il faut surtout et que le manager donne le go au bon moment, parce que s'il anticipe un peu trop, eh bien, on peut prendre une pénalité pour un départ un peu anticipé. Oui, c'est ça, le pilote n'y est pas pour grand chose, il écoute. Ouais, vraiment, lui, il fait qu'écouter. Il est téléguidé, mais si le manager enclenche le go un peu trop tôt, eh bien, c'est ce dosage savant qui fait la réussite ou non du départ. C'est pas forcément facile. Oh, attention, dans le peloton, il faut se frayer un passage. On a le 55 de Latsko et on a le 41 là, face à Albacete. C'est donc Norbert Kiss. Ouh, il n'y va pas de main morte, il se fait évidemment une place, mais c'est important parce qu'en partant 8e, c'est aussi ça le spectacle de ses courses à grille inversée. Ah ben c'est là, c'est essentiel et on le voit dès que c'est sec. On voit que ça pousse beaucoup plus. Là, par exemple, Brereton est allé chercher un freinage très loin et il s'est loupé. Ça a profité à Corsim parce qu'il a voulu vraiment freiner très tard et il est sorti beaucoup trop large et ça a profité au jeune Allemand. Et oui, l'Allemand qui prend la première place. Alors peut-être encore, comme depuis 2018, une victoire au Mans. Ça serait pas mal pour le pilote Iveco. Derrière, on a Brereton avec le camion violet. Et puis, Adam Latsko, toujours là, évidemment, avec le camion 55 qui vient de dépasser Steffi Alm. Et en course 2, il faut souligner que c'est très important d'avoir économisé ses pneus en course 1 parce qu'on a droit qu'à un train de pneus par jour, et si on a trop poussé en course 1, eh bien souvent on est pénalisé à la course 2, et c'est ce qui se passe souvent. Pourquoi on voit certains pilotes ne pas arriver à remonter, c'est tout simplement parce qu'ils ont les pneus qui sont beaucoup plus fatigués, et ceux qui ont économisé en course 1, genre justement ceux qui sont repartis en tête puisqu'ils ont fini 7-8, eh bien ils sont à l'avantage, et c'est pour ça qu'ils sont durs aussi à dépasser. Voilà, c'est des petites astuces des courses de camion, et ça c'est important de bien gérer
son véhicule de façon à faire le meilleur résultat. Ouais, c'est aussi finalement une course d'endurance sur le week-end. Alors on parle des 24 heures camion, ça roule pas à 24 heures. Quoique au début, on roulait quand même longtemps et de nuit. Il y avait des épreuves de nuit. Alors nous, aujourd'hui, il y a toujours des épreuves de nuit. C'est le gymkhana, la mécanique, etc. Il y a beaucoup d'animation. C'est dans l'ADN des 24 heures. C'est un peu le concept même. Mais c'est vrai qu'il y avait des épreuves d'endurance et de régularité la nuit dans 1981, 83, 85. Et tu parlais tout à l'heure de remorques. Ils avaient même des remorques pour certains. On veut le retour des remorques. Allez, je milite. En tout cas, on retrouve Norbert Kiss en embuscade derrière Sacha Lenz. Alors, on rappelle aussi qu'il doit penser à son week-end, mais surtout au championnat, parce qu'il n'y a pas de trophée 24 heures pour les pilotes du championnat d'Europe. Oui, et puis ces deux, Latko et Lenz, ils se battent pour la deuxième place, et c'est toujours pas fait. Ce sera, je pense, à Misano, à la dernière course du week-end de Misano, où on connaîtra l'ordre logique. On a à peu près le trio de tête, on ils les a. Là, ouais. Voilà, c'est Kiss, Lenz, Latko. Mais de là à dire qui va sortir 1, 2, 3, bon, c'est vrai que Kiss a pris une option, il se dirige vers une victoire, mais pour la 2 et 3, je mettrai pas un billet pour l'instant. C'est pas encore fait, non, c'est sûr. Par contre, les anciens champions, Jorn Hahn, Albacete, sont vraiment un petit peu plus loin. Pour cette année, en tout cas, alors ils sont là dans les courses, mais c'est vrai que sur les courses 2, par exemple, on voit que le camion a peut-être plus dégradé les pneus. Le châssis Iveco est peut-être très performant, mais il dégrade les pneus plus vite. Et on voit que sur les courses 2, ils ont eu un peu plus de mal. Et c'est vrai qu'au classement général cette année, ce ne sera pas pour eux. Mais non. En tout cas, ils nous ont assuré une belle saison. Il y en a qui assurent du spectacle, là, avec le 55, le 30, le 41. Voilà, les trois leaders du championnat. C'est le trio de tête. Et entre ces trois-là, cette année, il y a eu une bagarre extraordinaire. C'est vrai que le MAN a quand même cette année un moteur un peu plus performant. Et Adam a parfois été un peu en difficulté par rapport à ça. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils nous ont offert comme spectacle? Et le Mans n'a pas dérogé à la règle de toutes les courses de la saison. Oh là là, ça continue avec Lenz qui a mis deux petits trous, enfin trois plus exactement, dans le bac à gravier. Et du coup, ça va profiter à Norbert Kiss. Oui, on voit, c'est toujours très serré. Il faut imaginer quand même, on a 5 tonnes et 2,50 m de large. C'est pas une voiture de 500 kg et toute petite. C'est pas des Twingo. C'est parfois un peu viril. Cela dit, avec la puissance qu'il y a, 1200 chevaux, on a quand même des accélérations dignes de quoi? De Porsche GT3? GT3 à peu près, ouais, 4 secondes 5 dans ces eaux-là, 4 secondes 3. Les accélérations sont fortes et le couple, il y a un énorme couple, à dire un couple de camions, mais là c'est d'autant plus vrai, on a 5000 Nm quand même sous la pédale. Oh là là là, et par contre la glissade, il nous fait un peu de drift aussi, Norbert Kiss, c'est resté très propre, je sais pas comment il a contrôlé la glisse. Là c'est un peu, c'est Sacha qui lui a permis de rester sur la piste, parce qu'il y avait déjà le panneau trop tard qui s'était allumé depuis un petit moment, et il peut dire merci à Sacha, parce qu'autrement je pense qu'il serait allé visiter le bac à gravier. Ouest de la forêt. En tout cas, Kersim va gagner cette dernière course du week-end ici au Mans, comme en 2018, comme en 2019. L'Allemand repart avec une victoire depuis la Sarthe. Belle deuxième place pour Brereton, qui aura su résister à Latsko, qui sauve finalement sa troisième place face à Lenz et Kiss. André Kersim qui peut célébrer pas mal de glissades. Voilà, c'est des burns façon pilote européen, pilote de rallye. Là, on a vraiment de belles images, en tout cas grâce à André Kersim qui descend de son camion. La jeunesse, encore une fois, que ce soit en Europe ou en France, qui prend le pouvoir dans certaines courses, et on va écouter la réaction de l'Allemand. Le départ a été difficile, j'ai réussi à avoir un bon départ heureusement, mais au cinquième virage j'étais en mesure de dépasser Shane et ensuite de prendre la première position. J'ai gardé cette première place jusque dans le dernier tour. Shane était un petit peu plus lent que moi et j'ai vu que l'écart grandissait petit à petit. C'est vraiment super de gagner ici au Mans. Les résultats de cette quatrième course, André Kersim donc vainqueur. Brereton, très beau deuxième devant Latsko, Lenz, Kiss, Hahn, Alm et Albacete. Reinert et Stefan Fast sont dans le top 10 et marquent donc tous les 10 pilotes que l'on a cités des points pour le championnat. Et le podium donc avec encore un drapeau allemand au sommet. On était habitué avec Jorn Hahn, et bien on a encore le cas avec Kersim. La dernière course de cette 36e édition des 24 heures camion, la fameuse grille inversée qui voit une première ligne 100% Renault Truck avec la jeunesse à l'honneur. Raphaël Souza part aux côtés du poleman Lucas Rivals. Une dernière occasion pour les pilotes de se montrer avant la pause hivernale, puisqu'il faudra attendre 2022 pour les pilotes du championnat de France avant de se retrouver en piste pour une nouvelle saison que l'on annonce spectaculaire et que l'on a envie déjà de voir avec beaucoup de spectacles. Première année, première pole position au Mans pour la dernière de l'année. On m'aurait dit ça au début de l'année, j'aurais pas cru quoi, c'est un truc de fou. Ouais.
un truc de fou. Fabien, c'est quoi la sensation de partir en pole pour la première fois de sa carrière? C'est toujours beaucoup de pression parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaux derrière vous, hein, parce que même si vous en avez sous la pédale, il y en a quand même pas mal derrière vous. Et je pense que ça soit Lucas ou Raphaël, les deux, ce sont des jeunes pilotes, des bons pilotes, des pilotes qui vont vraiment marquer le futur. Je suis certain que ces deux-là seront sur le haut du tableau. Ils apprennent, ils sont en plein apprentissage. Comme le disait Lucas, avoir fait une telle saison pour sa première apparition, c'est juste magique. Et je pense que Raphaël a également fait beaucoup de progrès tout au long de cette saison. Et on va les voir très vite. Et c'est vrai que sur cette course-là, ils ont vraiment dû avoir la pression dans le casque. Eh oui, parce que derrière, on a Stéphane Langui et Alia Koloch, on a Yorick Montagne, Thomas Robineau, et puis on a cette ligne avec Théo Calvet et Anthony Janiek sur les 7e et 8e positions. Forcément, quand on a derrière soi des champions, eh bien, ça pousse. Alors qu'on a le départ qui est donné et le man numéro 1 qui a... Il a quasiment anticipé le départ, là, c'est pas possible. 8e premier. C'est vrai que c'est un peu gros, mais en tout cas, il est toujours très réactif, hein, Anthony, sur les départs. Hein, il est quand même là aussi, l'expérience compte. Et peut-être que les petits jeunes devant avaient moins l'habitude. Hein, c'est vrai que sur ce côté-là, c'était chaud. Oui, Yorick Montagne qui s'est complètement raté au premier freinage. On voit après que pas mal de camions ont coupé la chicane pour éviter l'accrochage. Là, il aurait dû avoir un retour de place. On voit aussi les pièces de carrosserie, comme on l'a déjà eu tout au long du week-end, qui volent un peu. Oh, il n'y a pas de la fumée blanche là. C'est plutôt un turbo, ça. C'est pas trop grave. Bon, voilà. C'est les lycéens. Aïe, casse moteur pour le Iveco numéro 32. Ça va faire du travail dans le lycée Gavieni. Ah, il faut bien qu'ils apprennent, les jeunes. Il faut mettre la pratique en œuvre. D'ailleurs, il y en a certains qui sont passés à temps plein dans ce championnat, dans d'autres équipes. Hein. Oui, tout à fait. C'est aussi la magie de cette formule des lycées dans la course. Hein. On a un vrai programme scolaire et ça, c'est plutôt pas mal. Alors attention, avec Théo Calvet et Thomas Robineau qui sont revenus sur Lucas Rivals avec le camion numéro 15. Il va essayer de résister ce camion Renault qui anciennement était même préparé par un magicien MKR, Mario Kreis. Hein. C'est ça. Hein. Oui, on a pas mal de camions ex-Renault usine. Hein. C'est le cas des deux camions du team Rivals, team 14, hein. Mais également de chez Souza ou encore de Martial Defaille. C'est vrai que les anciens camions Europe usine finissent parfois dans les championnats nationaux. Et bien, c'est pas sans nous réjouir, hein, parce que c'est vrai que ça nous fait un très très beau plateau, parce que la France peut prétendre avoir le plus beau plateau européen, et ça c'est une certitude, c'est pas juste une affirmation, il n'y a qu'à voir le niveau de préparation, le niveau des équipes, on a quand même un très beau championnat de France. Ouais, parce qu'on a combien d'engagés, plus de 30 à la saison. Voilà, 31 engagés avec toujours des grilles pleines et surtout des belles préparations. Il y a des championnats où il y a beaucoup de camions mais les niveaux sont très variés. Ici on a de plus en plus une belle présentation, un beau plateau et des belles bagarres, parce que je le répète, mais à chaque fois on a de la bagarre. Oh, le leader au stand, Anthony Janiek, pénalisé pour apparemment une manœuvre. Alors au départ, à vérifier, mais le triple champion de France qui va ressortir troisième derrière Calvet et Robineau. Oh là là, entre les Renault, on se fait pas de cadeau. Romain Rivals qui ne trouve pas l'ouverture face à José Souza. Il est coriace, hein, José Souza. Ah, il est pas facile, en effet. Là aussi, père et fils, une fois de plus, José Raphaël, le team VTR, un des gros animateurs du championnat. Et c'est tant mieux parce que là aussi, on voit le progrès au fil des ans, en présentation, en tenue, en qualité de pilotage, on voit que ça travaille et ça porte ses fruits. Eh bien, on le voit d'ailleurs, Raphaël Souza avec le 21, le fiston face à Alia Koloch, camion numéro 29, qui se bat face à Yorick Montagne, pardon, qui est rentré au stand. Aïe, l'abandon, c'est dommage. Oupoulolo, il s'en passe partout. Romain Rivals en tête à queue, il y a de la fumée. Que se passe-t-il? Alors, on va revoir Alia Koloch qui apparemment venait d'effectuer une pénalité passage au stand pour excès de vitesse. C'était pas la seule. Eh bien, elle sera même pénalisée pour le contact. Bon, la bonne nouvelle finalement pour Yorick Montagne. Finalement, en l'espace de quelques secondes, on a eu un revirement de situation. Et c'est qui peut en profiter? Stéphane Languilla qui ralentit avec les drapeaux jaunes agités sur les lieux de cet accrochage. Excellente performance, un cinquième pour une équipe qui a été frappée par la malchance en 2020 et l'incendie notamment à Créteil. Ouais, un grand coup de chapeau à l'équipe. Alors c'est vrai qu'il y a un élan de solidarité. Il y avait une cagnotte Litchi organisée d'ailleurs par Théo qui avait bien marché. Ça leur avait permis de récolter un peu d'argent pour racheter un peu tout parce que tout avait brûlé. Mais vraiment, le team est à saluer parce que cette cinquième place, honnêtement, elle est digne d'une victoire pour eux. On est tout à fait d'accord. Et la victoire, elle est pour Théo Calvet sur la piste. Petit salut amical également à Yvan Rodriguez, un pilote habituel de ce camion numéro 6, puisque c'est Guillaume Martin, le professeur de conduite routière, qui termine 8e pour sa participation de dernière minute avec l'équipe Luxosport. Fantastique là aussi. Oui, fantastique. C'est vrai que le Covid touche aussi les pilotes. Hein. On n'est pas épargné. C'est vrai qu'il était qu'à contact. Il n'a pas pu rouler. Il a donné sa place à,
à Guillaume Martin. Donc bon, voilà, ça fait partie aussi de cet esprit de la course où on vient bien s'entraider pour pas que le camion reste au stand. Eh oui, quatrième place pour Luc Arrivals. On a vu les scènes de joie, évidemment. Stéphane Languille à cinquième, Raphaël Souza sixième, José Souza septième, et donc huitième place pour Guillaume Martin. C'était encore une fois une course assez exceptionnelle. La victoire, la dernière victoire de ce week-end pour Théo Calvez. C'est Anthony Janiec qui va remporter le global de ces 24 heures camion. Il entre donc lui aussi dans l'histoire, mais le titre, il est bien pour Théo Calvez dans cette saison 2021. Et c'est ainsi que se conclut le résumé de cette édition anniversaire, le 40e anniversaire des 24 heures camions sur la chaîne L'Équipe. Merci beaucoup pour votre expertise, Fabien Calvez. Merci à vous. Et puis merci aux téléspectateurs, à vous toutes et tous, d'avoir suivi ce résumé en notre compagnie d'ici quelques semaines. Vous aurez également l'occasion de découvrir les temps forts des dernières manches du championnat d'Europe avec le titre encore en jeu entre Norbert Kiss, Sacha Lenz et Adam Latsko, on vous l'a dit. Et nous, Fabien Calvez, on va se retrouver d'ici quelques mois pour de nouveaux résumés consacrés à la saison 2022 du championnat de France camion, où Théo Calvez va remettre son titre en jeu face à une concurrence encore composé de Thomas Robineau, Yorick et Lionel Montagne, Anthony Janiec et bien d'autres pilotes. Peut-être des nouveaux. Ah, on espère en tout cas. Merci beaucoup. Et puis on va vous souhaiter une très très belle journée et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine.